Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, nous allons prier pour chasser les maris et femmes de nuit dans nos salles de bain. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tu peux prier pour chasser les esprits de zoo, les maris et femmes de nuit dans la salle de bain. Bien-aimés dans le Seigneur, les installations sanitaires, la salle de bain, c'est le seul endroit où tu te mets en tenue d'Adam pour te purifier, pour te laver. Bien-aimés dans le Seigneur, la salle de bain est un lieu stratégique dans la maison, un lieu où le démons et les esprits mauvais peuvent loger. Un lieu où les démons, les esprits des maris et femmes de nuit peuvent prendre le dessus et le devant dans ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la salle de bain peut être un lieu aussi de contact avec les esprits des eaux, avec les esprits des maris et femmes des nuits. Plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas ces choses et sont prisonniers de l'ennemi Satan. La Bible dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Alors nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour briser, déloger, chasser les esprits des eaux, les esprits des maris et femmes de nuit, les esprits maléfiques qui logent dans la salle de bain. Ta salle de bain est hantée, visitée. À chaque fois que tu prends une douche, à chaque fois que tu passes du temps dans ta salle de bain, tu ne te sens pas bien. Tu sens comme si tu y es pas seul dans cette pièce. Et pourtant, tu es seul. Tu sens des choses bizarres se passer dans ta salle de bain. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a qui entendent même des voix. Pendant que tu prends ta douche, bien-aimé, il y a des choses bizarres qui se passent dans ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir que ton corps peut être en contact direct avec les esprits des eaux dans ta salle de bain. Alors tu dois consacrer ta salle de bain. Tu dois consacrer ce lieu et cet endroit stratégique des esprits des eaux. Élève ta voix après moi et répète après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé.
de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare, je confesse dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance que Dieu m'a donnée, selon qu'il est écrit dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare que tout esprit maléfique qui loge dans ma salle de bain soit délogé maintenant, soit chassé maintenant, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit maléfique qui loge dans ma salle de bain, toute visitation démoniaque des esprits des eaux, des esprits des maris et femmes de nuit dans ma salle de bain soit brisé et détruit en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout démon qui utilise ma salle de bain comme une porte d'entrée maléfique soit délogé en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que ma salle de bain n'est pas un lieu pour les esprits des eaux. Je déloge tout sorcier qui a utilisé ma salle de bain pour faire siéger des esprits mauvais. Je le déloge. Je brise son pouvoir en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout démon de l'enfer qui combat ma vie et qui trouve une porte d'accès, une porte d'entrée dans ma salle de bain, soit frappé, délogé en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déloge tout démon. Je déloge tout esprit mauvais qui utilise ma salle de bain comme une porte d'entrée en nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
je déclare que ma salle de bain n'est pas une porte d'entrée. Je déclare que ma salle de bain est consacrée à Dieu en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute visitation, tout trafic maléfique dans ma salle de bain prenne fin maintenant en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout démon d'esprit des eaux qui utilise l'eau de ma salle de bain pour être en contact avec mon corps soit frappé maintenant en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance de Dieu que tout démon de l'enfer qui combat ma vie et qui a siégé dans ma salle de bain soit délogé en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout système d'eau, robinet, tuyau d'eau, conduite d'eau dans ma maison qui est pollué par les esprits des eaux, que cela soit nettoyé, sanctifié en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que toute eau qui descend sur mon corps pendant le temps de ma toilette, pendant ma douche, qui est polluée par les maris et femmes de nuit, par les esprits des eaux, que cette eau soit sanctifiée en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ la puissance de Dieu qui se déploie dans ma vie, qu'à partir de maintenant, toute action des sorciers dans ma salle de bain soit anéanti en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sanctifie ma salle de bain par le sang de Jésus-Christ. Tout espion, tout espionnage démoniaque, satanique dans ma salle de bain soit brisé, soit anéanti, soit réduit en silence en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit qui utilise l'eau de ma salle de bain pour m'envoûter, qu'il soit chassé de ma salle de bain en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit de contrôle, tout esprit de la sorcellerie familiale, soit brisé et chassé en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'annule tout rituel maléfique, sorcellerique, qui a été fait dans ma salle de bain, la nuit, le jour, toute pratique, tout culte satanique qui a été fait dans ma salle de bain, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
tout prêtre maléfique qui a habité ma maison avant moi, mon appartement avant moi, et qui a établi un contact, une connexion avec le monde des esprits des eaux dans ma salle de bain, soit frappé, brisé en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'eau qui coule dans ma salle de bain soit sanctifiée. Que l'eau qui coule dans ma salle de bain soit purifiée. Que l'eau qui coule dans ma salle de bain soit nettoyée au nom de Jésus-Christ. Toute maladie infiltrée par l'eau de ma salle de bain soit neutralisée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute maladie de la peau, toute maladie des parties intimes, toute maladie cutanée soit brisée maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu pour consumer, nettoyer la source de l'eau qui coule dans ma salle de bain. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout œil maléfique qui est ouvert dans ma salle de bain soit aveuglé à jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute œuvre de l'ennemi Satan qui travaille dans ma salle de bain soit brisée, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je remporte la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Jésus-Christ m'a donné la victoire et je marche dans la victoire. Que la marque de Dieu soit sur ma salle de bain. Que ce lieu soit consacré à Dieu. Que ce lieu soit consacré à l'Éternel. Et qu'aucune infiltration maléfique ne soit possible au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, votre compagnon de lutte, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.